Yes. Salut Valentin. Donc aujourd'hui, on est avec Valentin, donc joueur à 18 ans, 19 ans, tu es en régional 1 avec un objectif plus tard d'être pro. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait venir dans l'High Performer Academy tout simplement? Comment c'était il y a 3 mois avant qu'on travaille ensemble? Salut Pierre déjà. Ouais, du coup, ce qui m'a fait venir ici, bah, déjà, c'est que en fait, moi, j'avais vraiment un problème par rapport au regard des autres sur le terrain. Ça m'empêchait de jouer comme à mon plein potentiel, quoi. Je sentais que je ne pouvais pas être à fond sur le terrain et que je n'étais pas libéré. Et du coup, bah, je cherchais un peu sur Internet des moyens justement pour me sortir de là, quoi. Et bah, je t'ai trouvé. Et du coup, j'ai regardé tous les témoignages, tout ça. Et ta façon de travailler, ça m'a vraiment intéressé parce que je voyais que c'était vraiment différent par rapport à d'autres préparateurs mentaux. Du coup, bah, je me suis lancé dans le grand bain et puis bah voilà. Et là, du coup, c'était comment même, alors, il y avait certes aussi sur le terrain, mais à côté aussi, est-ce que tu étais quelqu'un qui avait plus confiance en toi, pas trop confiance en toi? C'était comment? Ouais, dans la vraie vie de tous les jours, ouais, j'étais quelqu'un plutôt de vraiment renfermé, quoi. Renfermé, qui n'allait pas trop vers les autres, timide, quoi. Ok. Et du coup, bon, en fait, ce que j'avais sur le terrain, ça se retranscrivait dans ma vie de tous les jours, quoi. Ok, et là du coup, 3 mois après le programme, après le passage à High Performance Academy, tu te sens comment? Du coup, je me sens complètement libéré, enfin, par rapport à ce que j'avais avant. C'est top, quoi, parce que vraiment, en fait, maintenant, je ne me pose plus de questions de, par exemple, dans la vie de tous les jours, ou même que ce soit sur le terrain, je ne me pose plus de questions de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, choses comme ça. Maintenant, je pense qu'à moi, à mes objectifs, et les autres, ça passe après, et c'est moi qui compte, quoi. Et du Ok. coup, je suis beaucoup plus libéré, c'est top. T'es plus libéré. Et est-ce que tu pensais qu'en aussi peu de temps, qu'en aussi peu de temps, t'aurais pu changer tout comme ça, te métamorphoser? Bah non, franchement, je pensais pas. Je me disais, enfin, quand je voyais les témoignages et tout, je me disais en 3 mois, c'est impossible. Enfin, c'est un truc qui doit se faire sur du long terme, sur 1 ou 2 ans, quoi. Puis, bah si, en fait, ça a marché. Ok. Et du coup, toi, alors en plus, tu es arrivé en tant qu'étudiant, donc tu as investi de ta poche. Donc, pour une personne qui peut regarder ce témoignage et qui, des fois, peut voir des vidéos et tout sur Internet et qui peut avoir peur que ce soit de l'arnaque, tu pourrais lui conseiller, enfin, il se serait passé quoi déjà si tu n'étais pas rentré dans le programme, il se serait passé quoi pour toi? J'aurais continué comme j'étais, c'est-à-dire j'aurais été toujours hyper restreint sur le terrain, sans savoir quoi faire, en pensant toujours aux autres, et du coup j'aurais jamais été libéré, quoi, en fin de compte. Et j'aurais continué dans une spirale négative toute ma vie, et même dans ma vie de tous les jours. Et j'aurais pas pris de risque comme maintenant je vais pouvoir le prendre. Et enfin voilà, j'ai tellement bien fait, quoi. Ok, du coup, par rapport à cet investissement de départ, là aujourd'hui, 3 mois plus tard, Aucun regret. Je me dis heureusement que je l'ai fait, quoi. Et franchement, ça change la vie, quoi. Tu vois la vie différemment sous de nouvel angle. Et franchement, c'est top. donc à une personne là, qui peut-être aimerait entrer dans le programme mais hésite parce que bah voilà, elle ne connaît pas, elle se dit ah, c'est peut-être de l'arnaque vu que c'est sur internet, blablabla. Tu pourras lui conseiller quoi tout simplement? C'est sûr, je vais lui conseiller de rejoindre le programme, ça c'est clair. Franchement, c'est l'investissement d'une vie, quoi. Enfin, si tu le fais, c'est clair que tu vas avoir aucun regret. Et enfin, ouais, plutôt que d'investir cet argent dans, je sais pas, une voiture ou autre chose, là, c'est vraiment t'investis sur toi. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Le matériel, après, ça passe après. Ok. Et du coup, c'est quoi les moments forts pour toi du programme? Qu'est-ce qui était top dans le programme? Qu'est-ce qui fait que tu as aimé ce programme? Bah déjà, la première séance de dépolarisation avec toi, Ouais. déjà. Parce que bah, sur le coup, tu t'en rends pas forcément compte les 2, 3 premiers jours, mais c'est les semaines qui viennent après. Tu vois les choses en fait sous un nouvel angle. Et bah, tu vois la vie différemment, en fait, tout simplement. Aussi, après, les coachings de groupe aussi, c'est top. Ça permet vraiment de créer des liens avec d'autres personnes qui sont aussi dans la performance comme nous, quoi. Et du coup, bah, vraiment, ça motive tous les jours. Et bah, ça permet de créer de la communion et tout, c'est top. Et bah voilà, après, ouais, franchement, coaching de groupe et la dépolarisation, c'est les deux moments clés, quoi.
C'était ce que tu as préféré. Ok, par rapport au coaching qui est en ligne, le truc qui est souvent les côtés vidéo en ligne et tout, t'en as pensé quoi de ça? Ouais, si ça aussi c'est top parce que en fait ça permet le travail qu'on fait avec toi les premières semaines. Bah, le coaching en ligne, il permet après de voir les outils qui vont te permettre de continuer à bonifier ce qu'on a vu avec toi en fait. Et du coup, ça va te permettre de travailler toi-même aussi de ton côté, quoi, en plus de ce qu'on a fait avec toi. Et ça va permettre d'évoluer encore plus, quoi, tout simplement. Et en plus, il est disponible toute ta vie, quoi. Donc, ça peut te permettre d'y revenir après quand tu as des coups de mou, choses comme ça. Ouais, c'est ça, c'est que avec moi, il y a vraiment le travail de transformation et derrière, ça vous permet d'avoir des outils pour vous aller continuer votre travail de votre côté, quoi. Ok, cool. Bah, écoute, Valentin, un grand merci, un, pour m'avoir fait confiance. Ça va, c'était vraiment un honneur pour moi de t'accompagner. Et deux, deux, je sais pas. Deux, ouais, juste, merci. Et ouais, voilà, tu étais le plus jeune à l'époque à être entré dans ce programme. C'était vraiment une responsabilité pour moi de t'apporter le résultat. Donc, voilà, merci pour ta confiance. Tu m'as permis de, voilà, de aujourd'hui me sentir vraiment content, satisfait et heureux de t'être fait entrer dans le programme. Et là, si tu avais un mot à ajouter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce serait lequel? Bah, n'hésitez pas et rentrez dans le programme. Ok. Ouais, aujourd'hui, je pense que ouais, c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau. Si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et que tu as un blocage, quel qu'il soit, déjà un, prends rendez-vous pour une session qui est de 45 minutes qui est offerte avec une personne de mon équipe. Et deux, si on juge que tu es le type de personne avec qui tu peux avoir des résultats, le résultat là va juste transformer ta vie. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. Donc, voilà. Super. Bah, écoute, merci. Merci, Valentin. Et puis, de toute façon, on continue de suivre ton évolution. Ça marche. Merci Super. Pierre. Allez, salut Valentin, ciao. Salut.